Coucou mes petits hérissons, c'est Soy, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de la découverte du gameplay sur eSport Club. C'est un jeu de gestion simulation où vous allez devoir, pour le moment, parce qu'il n'y a que ce mode-là de disponible, manager une équipe de eSport. Pour l'instant, vous allez pouvoir jouer sur deux MOBA différents, enfin deux types de jeux, donc un MOBA, le plus connu, j'ai envie de vous dire LOL, et un jeu aussi de FPS, Counter-Strike. Enfin, normalement, hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer une partie, bah, bien sûr, en manager mode. Plus tard, vous aurez le network mode et le challenge mode, mais bah, pour l'instant, on n'a que celui-là. Donc, on va commencer par ceci. On va pouvoir nommer le nom de notre club, donc on va l'appeler le Soy Indies Club. Le logo, donc oh, tiens, bon, on va pouvoir changer. J'ai une petite préférence pour ces petits blasons-là. Comme ça, ouais, comme ça, ça va être éventuellement... Bon, on va bien voir. Donc les couleurs, éventuellement, on va essayer de trouver un bleu un peu plus comme ça. Et un vert qui pourrait être un peu plus comme la chaîne. Je dirais peut-être un vert. Ouais, celui-là, il est un peu trop... Allez, on va dire que celui-là, ça va le faire. Est-ce qu'il n'y aurait pas un hérisson? Eh bah... je ne... Bah non, 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 pas de hérisson. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre qui pourrait être sympa Allez, on va mettre ça, ça peut être sympa. Et, bah tiens, qu'est-ce qu'on va mettre? Un petit rouge... Est-ce qu'il y aurait un rouge moins pétant? Enfin, un rouge plus pétant. Alors, les couleurs, elles sont pas super belles, hein. Donc ça c'est considéré comme du rouge. Bah putain. Rose. Ok. On va laisser ça comme ça. On va choisir. Donc il y a un tutoriel éventuellement. On va pouvoir le choisir. On a un mode de financement. On va pouvoir choisir son continent. Donc le continent de votre club. Donc tiens, un truc que je n'ai pas fait. Donc on va choisir bien entendu Europe. Le pays. Donc on va choisir la France. Et la région. Vu que je suis breton, on va choisir la Bretagne. Le financement, on va le laisser en normal. Le MOBA, enfin le game qu'on va se concentrer. Donc pour le moment, j'ai envie de vous dire soit FPS, soit MOBA. Counter-Strike, je ne connais pas du tout. J'ai jamais joué. Enfin, jamais joué en compétition, juste pour comme ça, pour me détendre. Donc je connais pas vraiment les termes. Je vais plus partir sur de MOBA. Même si j'avoue que LOL, j'ai pas joué. J'ai plus joué à, comment ça s'appelle, le MOBA de Blizzard. C'est pas Hearthstone, c'est... Merde. J'ai perdu le nom. On va commencer la partie et si jamais ça me revient, bah je vous le redirai. Mais bon, je pense que vous devez le connaître. Vous devez le connaître. Donc le petit jeu, donc petit chargement. On va attendre que ça se finisse. J'ai testé. J'ai bien aimé. Cependant, il y a quelques petits points qui me dérangent. Ça me manque un peu d'optimisation. Donc bien entendu, le jeu n'est pas traduit en français. Il est juste en anglais ou en chinois. J'ai pas de nouvelles du développeur. Enfin, j'ai essayé de le contacter, il m'a pas répondu. Donc je sais pas si jamais il y aura possibilité d'une traduction en français. Si jamais, bien sûr, il me répond, je vous laisserai un petit commentaire en dessous et que je l'épinglerai. Donc là, donc voilà, donc ça va être notre premier match amical contre les Strut Swiss. Donc les prévisions, donc pour l'instant on en a pas. Voici nos locaux, donc nos gars qui sont en train de taffer ici. Éventuellement ici, on pourra avoir une chambre et ici, une salle de détente. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est justement créer une chambre pour que nos gars, ils se reposent un peu mieux. Donc on va commencer à la créer, ça va nous coûter 12 000, ça va nous coûter 2 000 de maintenance et elle va mettre 3 jours à se construire. Par contre, ils vont se régénérer 20% plus vite sur le corps. Donc let's go, c'est parti. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de sous, mais pas de soucis. On va se faire contacter par un network très rapidement. Si on va dans ce petit onglet là, donc vous pouvez voir le calendrier, éventuellement là vous voyez qu'on est dans les transferts, là on va avoir un match amical ici aussi, et après les ligues d'Europe vont commencer. Donc je pense qu'on va peut-être réussir à gagner un des deux matchs là, ici en règle générale pour l'instant j'ai pas réussi à gagner des matchs d'Europe. Vous pouvez voir en cliquant sur ce petit onglet là, du coup votre équipe, hein, les gars que vous avez, donc j'ai CAD qui est un top laner. Excusez-moi, MS qui est jungle, ouais c'est ça, il me semble que ça se dit comme ça, Azong qui est middle, Fixer qui est ADC et Hop qui est support. Donc pour l'instant, bah, on n'a pas beaucoup de stats dans le level rank, voilà, vous pouvez voir le nombre de mecs, enfin de followers qui vous suivent, bon, moi j'en ai pas autant, hein, perso, voilà,
Ici, dans le petit onglet, vous allez pouvoir éventuellement dire à vos gars comment vous allez vouloir qu'ils s'intensifient, comment vous allez voir, enfin, comment vous allez vouloir qu'ils réagissent en plan physique et en plan mental. Donc, on va laisser à 50% pour le moment. Vu que j'ai pas de sous, pour l'instant, je vais pas les entraîner. Mais éventuellement, vous allez avoir 4 catégories d'entraînement. Vous allez avoir ici, vous allez entraîner les skills basiques, les positions, la vision et les toueurs. Comment vous allez bah, gérer là. Donc, vous voyez. Vous avez un petit descriptif, donc tower, vous allez entraîner le push et la défense de. Donc le push des towers ennemis et la défense des vôtres, etc. etc. Dans l'intermédiaire, vous allez le solo training, les lane training et le lane, la pression sur les lanes. L'advanced training, excusez-moi. Les poet training et les team fighters. Donc ça, ça peut être intéressant. Donc on va voir ça plus tard. On va attendre que notre. Qu'un sponsor nous contacte. Donc là, on a trois sponsors qui nous contactent. On a le choix entre Cherry, je connais pas. Par contre, je vois pas du tout ce que c'est. Steel Series, ça non plus. Nvidia, par contre, Nvidia, ça je vois très bien ce que c'est. Donc eux, ils nous proposent 4100 d'argent pour un contrat et pas de promotion. Enfin, pas d'argent en plus. Par contre, si on arrive à aller sur une ligne, je pense qu'on va prendre celui-là. Ou peut-être qu'on va prendre. Allez, on va prendre Nvidia au cas où qu'on arrive à faire une promotion dans la ligue, mais perso, j'y crois pas du tout. On va confirmer. Comme ça, on chope 4000 de thunes. Ce qu'on va faire directement. Donc là, on a un petit message, on s'en fout. Toc toc, c'est pour les transferts, mais on va pas transférer de gars. On va essayer plutôt d'entraîner nos gars. Donc on va dans la petite manette et on va commencer à entraîner chaque gars. Donc je vais leur faire un entraînement intensif de 80%. Donc. Bien, malheureusement, j'ai pas trouvé de bouton pour dire à tout le monde. Donc là, entraînement intensif de 80%. Je vais vouloir qu'il. Donc lui, il est comment Tosh. Donc lui, c'est le top. Éventuellement, basic skill, offense. On va lui améliorer ses basic skills, je pense. Ouais. Ou qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Position. Bon, on va plutôt augmenter les basic skills. Donc vous avez le choix entre eux. 2 week-ends, 4 week-ends ou 8 week-ends. Donc on va plutôt l'entraîner pour 2 week-ends parce qu'on va améliorer assez rapidement tout ça et on aura d'autres trucs de disponibles. Donc on va le faire à Ranch, ça va nous coûter 4000 d'argent, pas de souci. Les intermédiaires, on va l'entraîner en tant que... Lane training, allez, lane training. Hop. Et ici, on va... Donc là, ça va augmenter son agilité, son team fight, et ça va augmenter un petit peu tout le reste. Et là, sinon, ça va augmenter la protection. Allez, j'ai envie de lui augmenter ça. Hop. Je suis pas très... Enfin, pour le jungle, je pense qu'il va falloir augmenter peut-être sa position. Ouais, on va augmenter ses basic skills, parce que franchement, c'est un truc que donc... Bon, ça, solo training, ça, oui. Ça, je sais, il n'y a pas de souci. Je sais que le jungle est en règle générale tout seul. Et bon, on va augmenter celui-là. Allez, hop, c'est parti. Azong. Azong, c'est un middle. Middle. On va lui augmenter ses basics skills. Pareil. Ah, tiens, j'ai oublié de lui augmenter l'intensité à 80%. Tiens, hop, Azong, 80% aussi. Ici, on va augmenter la lane training. Et on va augmenter ça. On va essayer d'augmenter un peu tout ça. L'ADC. Basique. Et allez, c'est le support à côté. Ici, on va augmenter la lane training. Et du coup, ça. Et pour le support, j'ai plus envie de le position. J'ai envie de l'entraîner sur la position. J'ai envie qu'il s'entraîne sur lane training. Allez, on va essayer de la lane pressure. Et on va l'entraîner sur la limitation protect. Ouais, je pense que le team fight ça va être plutôt pas mal. Donc vous voyez 14 jours. Par contre j'ai oublié de lui augmenter à 80%. C'est vrai que ça va être l'intensité de comment il va bosser. Vous voyez un petit récapitulatif des stats, donc ça je vous ai dit. L'âge de vos personnages aussi, que je n'ai pas pensé à parler. Donc on a un gars qui est vieux qui a 19 ans. Oh, l'autre qui a 27 ans. Va peut-être falloir penser à le changer assez rapidement. On verra bien. Ils sont plutôt bons, on a des gars qui ont du bon potentiel, hein. 4 étoiles, c'est plutôt cool, on n'a pas de 2 étoiles, éventuellement celui-là sera un peu moins bien, mais ah du coup lui, il est hard worker, donc il s'entraîne plus facilement à la défense des
des tours. Ah, d'accord. Middle, Mirjun, il augmente son DPS. Lui, eux, les autres n'ont pas d'avantage. Donc, ok, donc là on est bon. Là, c'est en train de construire. On va continuer. On va voir notre premier match qui va se dérouler ici. Et notre première construction qui s'est faite. Donc, on va lancer directement la salle de jeu qui va permettre de augmenter un peu le moral des gars. C'est fait. Et ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va lancer un match. Pour, avant ceci, on va pouvoir choisir la tactique. Donc, le support, on va le mettre en défensif. Le support, l'ADC, le jungle, on va le mettre en, tiens, bah, en ADC, en très bien. Par contre, l'ADC, ah, oui, c'est AD. On va le mettre en agressif et le middle, on va essayer de le mettre en agressif aussi. On va bien voir comment ça va se passer. Allez, j'avais bien envie d'essayer de le mettre le jungle en normal au cas où. Ok, donc toc toc toc, là c'est plutôt bon. On va essayer de faire des ganks un peu plus et on va essayer de faire de la push tower. On va bien voir comment ça va se passer. On va pouvoir aussi leur dire de faire occasionnellement de la défense tower. On va la laisser plutôt en normal, enfin often un peu plus. Et on va bien voir comment que le combat va se passer. Donc on peut pas mettre sur pause. Ah si, je peux mettre sur pause, donc je vais mettre sur pause. Vous voyez, petit coin, petit combat. Donc notre équipe qui est ici. Ah non, merde, Cad, c'est le... c'est son nom, c'était pas la DC. Oh, je me suis planté. Oh bon, c'est pas grave, de toute façon c'est fait. Du coup, vous voyez les levels d'Omega, les kills, les morts et les assists. Vous allez voir les petits... merde, c'est les boss, je sais plus c'est quoi leur nom. Les tours et éventuellement les kills que vous allez faire. Donc ça c'est pour notre côté. Pareil pour l'autre côté ennemi. Vous allez pouvoir avoir un petit récapitulatif. Vous avez le petit récapitulatif des stats un peu de chaque joueur si vous les sélectionnez, comment que ça va évoluer au fur et à mesure du jeu. Vous avez le petit récapitulatif de qui contre qui et on va relancer la partie. Donc on va pouvoir éventuellement accélérer la game. Donc pour l'instant ça se passe comment? Pour l'instant ils sont en train de dominer, ils ont 2 kills et nous on en a que 5 et on est en train de se faire défoncer. Donc là, 4 à 10, on a pris aucune tour, eux non plus. Par contre, ouais, on joue vraiment mal. On joue vraiment mal. Et ça monte, ils ont presque... Ils ont 9 kills d'avance. Par contre, on a fait le premier 100 et il a fait un double kill. Ça, c'est bien. 3 kills, double kill, double kill. Et on a pris, par contre... Ah, ils ont pris 2 tours. J'allais dire, on a pris notre première tour, mais non. Avec un peu de chance, peut-être que... on va peut-être pouvoir réussir à remonter, mais je pense pas. Regardez, ils ont pris 3 boss. Nous, on en a pris 0. Ils sont à 3 tours. Ils sont à 32 kills. Oh, les œufs. Je pense que la partie est classée. On va accélérer la game un peu. On va bien voir comment que ça va se passer, mais je pense pas qu'on va remonter. Je pense pas qu'on va remonter, ouais. Toc, toc, toc. Allez, on joue vraiment. Je pense pas qu'on a. Du coup, je me suis peut-être pas concentré en bonne stratégie. Allez, non! Si, c'est bon, on a réussi à le prendre. Par contre, ils ont toujours 20 kills d'avance. Ça va être foutu. Hein. Allez. Et peut-être qu'avec un peu de chance, si on arrive à remonter, regardez. Leur machine, elle est bien endommagée. Si leur Nexus, voilà, je cherchais le nom. S'ils se concentrent un peu. Allez, les gars, allez-y, là. Eh non, on a perdu. Donc on a perdu, tant pis. Ça a été comme ça. C'était un match d'entraînement. On va essayer de jouer mieux au prochain. Donc on a gagné 1000. C'est déjà ça. On va continuer à passer la chose. Et donc là, premier truc, ça a été construit. Notre bâtiment a été construit. On va lancer la construction de la prochaine... la salle d'entraînement. Là, on va l'améliorer. Pour l'instant, on n'a que des trucs de level 1. Et on va débloquer... des skills de level 2 grâce à ça. Par contre, vous voyez que ça va nous coûter un peu plus d'argent qu'à l'heure actuelle. Ça va nous coûter 7000 de plus, ouais, presque 8000 de plus pour l'entretenir. Mais ça, il n'y a pas de souci, on a pas mal de thunes en espérant que ça va bien se passer. Bon, on va. Ils disent que, en gros, ils ont une grande. Que Groundhog, là, ont une grande chance de gagner. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, l'ADC. On va le mettre en norme, on va le mettre en agressif. Le middle, on va le mettre en normal. Le jungle, on va le mettre en agressif. Et lui, on va le mettre en normal. On va essayer de faire un peu moins de gank et un peu. Allez, si on va essayer de faire des ganks et des push. On va faire plus de la défense de tour.
On va faire de la défense de tour. On va essayer de se concentrer là-dessus. Et on va bien voir comment que ça va se passer. En espérant que ça se passe mieux. Donc là, allez, la partie commence. Pof, pof, pof. Premier kill. Non, c'est lui qui a fait le premier kill. Ils sont déjà... Ouais, fort, ça commence mal pour nous. Hein. Vraiment très très mal. Malheureusement. On est à 3... Ils sont à 7, 9 kills. Oh là 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 là. Je suis un mauvais... Je suis un très très mauvais entraîneur de MOBA. Je pourrais pas du tout faire carrière sur ça. Oh là 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 là. C'est pas bon. Yes, le notre jungle a réussi à prendre un petit boss. Donc on a pris de l'avance sur ça. Allez, le jungle. Putain. Oh là là, on est. Eh, franchement, mais c'est pas possible quoi. Oh, on a pris la première tour. Par contre, ça c'est bien. On a pris la première tour, le premier boss. Et eux, ils ont réussi à reprendre la tour. On a pris une deuxième tour. Avec un peu de chance. On va ralentir un peu le game. Avec un peu de chance. Ah, ils ont pris 3 tours. Ils ont pris les 3 tours là. Toc. Nous, on est rendu à 2 tours. Et celle-là sont entamées que eux, ils nous ont pas entamé les autres. Par contre, on se fait attaquer à mort. Allez, allez. Bon, il n'y a que 10 kills de différence à peu près. Et si on gère bien, on peut peut-être... Ouais. On a pris notre tour. On est revenu à égalité dans les tours. Franchement, moi, j'y crois. Si ils gèrent pas trop mal, regardez là. Toc. Toc. Putain, par contre, notre ADC... Je sais plus c'est qui était mort. Ouais, ils prennent de l'avance sur les kills. Oh là là. C'est mal parti, hein. Je pense que du coup, on n'y arrivera pas. Là non plus. Je suis quand même un mauvais... Un truc que je reproche aussi, c'est que du coup, on peut pas changer les stratégies pendant la game. Oh, peut-être pas tout le temps, mais leur dire du coup... Ah ouais, non, au moins pouvoir leur laisser un choix, quoi. Enfin, nous laisser de dire, bah non, en fait, changer là, passer plutôt en... Ah, j'ai cru! J'ai cru, je me suis dit, c'est bon, ils vont remonter. Ils vont remonter. Allez, ouais. 38, ce serait bien qu'ils fassent plus de défense. Pff, oh là là, c'est pas possible. C'est pas possible, non, mais sérieusement. Putain, on arrive à se faire défoncer quand même. Toc. Le jungle est dans la... Ah mais là, c'est bon, regardez notre Nexus. Notre Nexus. Et ben voilà, on a perdu. Je vous l'avais dit. Je suis vraiment un très très mauvais entraîneur. J'y arrive pas. J'arrive pas à manager mon équipe. On va passer les journées. Ce qui aide pas non plus, donc c'est que je suis une merde en anglais. Et du coup... Donc ça, c'est le petit coup. Ok, pas de soucis. Pré-compétition analyse. Ok. Il nous reste combien de temps sur les entraînements? Il nous reste 3 jours. Par contre, là, il baisse. Training report, donc ça va les augmenter un peu. Est-ce que on peut baisser peut-être l'intensité du tra... Ah ouais, mais c'est vrai qu'on peut pas l'augmenter. Training plan, on peut pas le dire à chaque gars quoi. C'est ça, c'est. Hop. J'ai pas trop encore compris pourquoi. Pourquoi ça baissait. Est-ce que c'était à cause des défaites? J'ai pas encore trop capté à cause de quoi. Hein? Malheureusement. Et là, du coup, bah, on va continuer. Hop. Et les ligues commencent, malheureusement. Malheureusement, bah tiens, on a fini notre premier bâtiment. Enfin, notre première salle de cours. Éventuellement, on va pouvoir améliorer notre bâtiment pour débloquer d'autres trucs. Donc, salle de gym, une salle pour se faire à bouffer, quelque chose pour la santé, la salle de médias, hein, pour communiquer. Et ici, c'est une salle. Ouf, je vais y arriver, de réunion. Donc voilà, toc 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 toc. Bah moi j'ai plus envie d'augmenter le truc pour dormir un peu mieux. Hop là. Et on va. Bon, allez, moi j'ai envie de vous dire qu'on va aller en protection. On va faire de la protection à mort. On va faire de la push tower normale, des ganks normales et on va essayer de se faire en. Ah merde! Je voulais changer aussi les trucs de méga. Oh putain, et regardez, on se prend déjà 4-3 kills d'avance. Faut que j'ai oublié de...
bah ça va être plié. Hein. J'ai envie de vous dire que c'est plié là. Déjà 5 kills. Souvent quand ça part comme ça, c'est que c'est foutu. J'ai oublié en fait de les changer et de les mettre en. Allez, on perd pas de temps. Le match est plié. Regardez, on a perdu 4000. Parce que on gagne un peu plus de sous parce qu'on est en ligue. Mais ça, c'est pas grave. Donc lui, il est pas content. Gna gna. Ouais, mais c'est ce que j'ai fait, mec. Je t'ai déjà réduit ton intensité. Ok. Donc lui, ah, il a augmenté un peu. Par contre, lui, il a baissé. Ah merde, c'est con. C'est con, c'est con. Par contre, du coup, maintenant, on peut leur remettre des trucs. Donc lui, et ouais, je comprends pas pourquoi, du coup, ça. Il y a des petits trucs rouges partout. Pourquoi ça me dit que ça baisse? Ok, certes. Est-ce que c'est parce qu'ils sont fatigués? Est-ce que c'est parce que je les ai trop forcés du coup avec le training l'intensité du. Bah, je sais. Je ne sais pas. Bonne question. Recovery plan. Toc toc toc. Bon, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Je vais pas remettre de. Bah, de comment ça s'appelle hop, Sowing Dice contre Avalanche. Pff, on a perdu. Confirmé. C'était la cata. Donc là. Ah, on a peut-être une chance de les battre. On va modifier ça. On va leur mettre du coup en normal, en défensif. Le middle, on va le mettre en défensif. Et lui, on va le mettre en normal. On va essayer de voir comment que ça va se passer en défense de tower. Toi, t'es mieux en défense de tower. Et toi, t'es bon comme ça. Donc toi, on va te mettre en normal. Tac 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 tac, gang gang gang, protection, knock, nickel. Bah on va essayer. On va essayer, puis on va s'arrêter après sur cette défaite malheureusement. Mais pourquoi, regardez, pourquoi mon middle, il y va quoi? Sérieusement? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il y va, pourquoi ça lui sert à rien d'y aller. Et eux, regardez, ils sont en train d'augmenter leur stat alors que il y a des trucs que j'ai pas capté. Il y a des trucs que j'ai pas capté. Je suis plutôt mitigé. Ouais, bah, 23, 26 kills. On se fait défoncer. C'est bon. On arrête le massacre. Ils nous ont tués. Oh putain. On a tué. Notre CAD, il a tué 0 mec. MS, il a tué une personne. Azong, 5. Ça, il met des stats de merde, quoi. Même moi, j'arrive pas. Même moi, quand je jouais à LoL, j'ai joué un petit peu. Mais j'ai jamais fait autant de trucs que. Autant, c'est. Non. 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 C'est pas possible. Ah là là. Ah là là. Bon, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va s'arrêter là. J'espère qu'au moins que la vidéo vous aura aidé un tout petit peu. Je pense que la présentation n'a pas forcément été cool, cool, cool pour vous. Parce que je maîtrisais peut-être pas le sujet à fond. Hein, j'en suis conscient. Je m'en excuse déjà d'avance. Mais je voulais essayer de vous le présenter. Au moins pour vous montrer un peu ce qu'il en découlait. Je vous dis du coup à très vite. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et le petit pouce bleu si vous avez aimé. Et bah vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Des bisous, c'était ça. Ciao. Merci encore.